Bonjour, shalom et paix sur vous ce matin. Nous sommes le mercredi de août 2023. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser à la jeunesse. Aujourd'hui, je voudrais transmettre un message à la jeunesse. Et donc, nous allons regarder une vidéo. Et juste après la vidéo, je vais porter quelques commentaires et un message important à la jeunesse. Et donc, je compte sur vous pour partager. Je compte sur vous pour partager avec vous, c'est important. Amen. Dieu soit béni. Alors, nous allons regarder la vidéo et puis j'apporterai un commentaire par rapport à la vidéo. Je vous laisse le soin d'écouter, de visionner la vidéo et puis juste après, je vais. Je vais apporter un commentaire. Jeune fille est décédée à cause de la vente à 10. Pendant sa courte vie, elle nécessitait de montrer sa vie dans les endroits chics, les restaurants, à montrer comment elle faisait du shopping dans les grands magasins. Elle a été assassinée, tenez-vous tranquille, par son petit copain. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ostar, c'est une jeune fiancée d'origine nigériane. Elle a été découverte morte. Il n'y avait plus les yeux, il n'y avait plus ses seins et il n'y avait plus ses parties génitales. Lui, c'est une jeune fille qui, malgré ses sorties, voilà, régulières, avait l'habitude de toujours appeler sa maman pour l'informer. Seulement que depuis 2 à 3 jours, sa maman n'avait aucune de ses nouvelles. Elle a donc contacté la police pour qu'on puisse savoir où se trouve sa fille. Son petit copain a donc été arrêté pour être interrogé. Lui, le mec a signalé que voilà, ils ont eu des petits problèmes, mais qu'ils se sont vus pour discuter et une bagarre s'en est suivie. Sauf que pendant les enquêtes, on a découvert le corps de la jeune fille, on a constaté que les organes de la fille avaient été enlevés. Alors, pour faire simple, le mec n'a pas nié qu'ils avaient eu des problèmes parce que la veille, la fille ne voulait plus la relation. Il a donc appelé la fille pour qu'ils puissent discuter et voir comment ils peuvent se remettre ensemble. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais il n'a pas expliqué où sont partis les yeux, les seins et les parties génitales de la fille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gars, lui, il a 26 ans. Lui aussi montrait une vie de luxe. Et la fille n'avait jamais cherché à savoir comment est-ce que lui, à 26 ans, lui offrait tous ses cadeaux, tous ses voyages, tous ses shopping dans les grands magasins. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent du petit. Lui, ce que vous devez savoir, si un homme vous donne autant d'argent, chaque fois que vous en avez besoin, retenez une chose, ce mec, il est dans les affaires louches. Parce qu'un homme qui gagne de l'argent difficilement, à la sueur de son front, ne peut pas vous faire autant de cadeaux en autant de fois. C'est impossible. Qu'on ne vous montre pas, même les multimilliardaires du monde ne laissent pas dépenser leur argent n'importe comment. La jeune fille, elle n'avait que 23 ans. Et ce sont les longs yeux. Oui, ces longs yeux l'ont éliminée. Parce que pendant toute sa petite vie, elle ne cessait de montrer sa belle vie, sa réussite. Réussite même non, parce qu'elle ne travaillait pas. Le mec avec qui elle traînait aussi ne montrait jamais ce qu'il faisait. Mais lui aussi claquait des sous. Voilà. On a découvert que voilà, ses yeux ont été enlevés, ses seins enlevés, ses parties génitales enlevé, c'est tout simplement ce que faisait son mec comme activité. J'ai envie de vous dire, les filles, arrêtez. Si un mec vous donne tout ce que vous demandez, commencez à avoir peur. Derrière ces gestes-là, il y a quelque chose qui trame. Et demain, c'est vous qui allez écoper. En attendant, on ne peut que lui souhaiter, voilà, qu'elle repose en paix. Mais sa mort doit servir de leçon aux autres filles qui pensent qu'il y a des garçons qui sont nés pour dépenser leur argent aussi bêtement et facilement. Retenez encore une fois, c'est ici, c'est un mec qui donne autant d'argent aussi facilement. Voilà, ta tête va être livrée dans les jours ou les années qui viennent. Rien n'est gratuit. En bon attendant, salut. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas. Alors, avant de transmettre mon message à la jeunesse, je voudrais souhaiter toutes mes condoléances à cette famille qui a perdu un être cher. C'est difficile de perdre, n'est-ce pas, son enfant.
Et donc, je suis de tout cœur avec cette famille. Je tiens à dire, je tiens à rappeler que le but, n'est-ce pas, de cette vidéo n'est pas de dénigrer ni la jeune fille qui est décédée, ni sa famille. Et donc, ceci étant dit, je m'adresse directement à la jeunesse. Alors, être jeune n'est pas une excuse, n'est-ce pas, pour ne pas prendre conscience du monde dans lequel tu vis. Être jeune, n'est-ce pas, n'est pas une excuse pour ne pas prendre conscience de la réalité de ce que certaines personnes peuvent subir, n'est-ce pas, et qui peut aussi nous arriver. Et donc, la jeunesse n'exclut pas, n'est-ce pas, l'importance de prendre conscience que le monde n'est pas blanc, que le monde n'est pas que jaune, n'est pas que rouge, n'est pas que joie, n'est pas que paix. Voyez-vous, tu dois prendre conscience, en tant que jeune, n'est-ce pas, que le monde dans lequel tu vis a des réalités. Des réalités qu'il faudrait que tu prennes conscience. Voyez-vous une jeune fille, une influenceuse de ce que j'ai compris, de 21 ans, une jeune fille qui avait encore de l'avenir, qui avait encore certainement des projets à réaliser et qui a perdu non seulement sa vie, mais aussi à qui, de ce que j'ai compris, on a enlevé, retiré les yeux, n'est-ce pas, les parties génitales, les seins et j'en passe. Quel monde de cruauté. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel tu vis est un monde rempli de cruauté, rempli de méchanceté, rempli de jalousie, rempli, n'est-ce pas, de drame. C'est pour ça que tu dois prendre conscience, n'est-ce pas, de la réalité du monde dans lequel tu vis. De ce que j'ai compris, c'est une jeune fille qui qui montrait sa vie sur les réseaux sociaux, qui montrait donc qu'elle avait une belle vie, et donc elle était dans l'apparence, et elle était entretenue par un garçon, son copain, qui, de ce que j'ai compris, avait 6 ans. Et de ce que j'ai compris, le garçon, enfin, la fille n'a pas connaissance, n'est-ce pas, de la source de revenus de son copain. Et donc, c'est le monsieur qui l'entretenait et elle montrait donc, du coup, sur les réseaux sociaux qu'elle avait quelque chose réussi. J'imagine qu'elle avait beaucoup d'abonnés. J'imagine que les gens rêvaient à devenir comme eux, comme elle. J'imagine, n'est-ce pas, qu'elle était adulée. Et voyez-vous, voilà la fin d'une jeune fille qui aurait pu, n'est-ce pas, être préservé de ces choses. Voilà. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que derrière le luxe, derrière l'apparat, derrière de belles choses se cache le diable. Je répète. Derrière le luxe, derrière l'argent, derrière tout ce que vous pouvez connaître, vous pouvez savoir, le sexe, la femme, se cache le diable. Voilà ce que le livre de Jean, chapitre 5, verset 19 dit. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde tout entier est sous la puissance du malin. Nous savons tous que nous sommes de Dieu, mais le monde tout entier. Même la Bible reconnaît la puissance que détient l'ennemi. Et voyez-vous, on y retrouve la puissance du diable dans ce verset de 1 Jean chapitre 5. Nous savons, nous sommes de Dieu, et nous savons, n'est-ce pas, que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc tu dois comprendre que
Le monde dans lequel tu vis est dominé par Satan. Le monde dans lequel tu résides, mon ami, est dominé par Satan. C'est Satan qui domine ce monde. Bien évidemment, temporairement, pour un temps. Parce qu'il y aura un temps où Dieu mettra fin à tout ceci. Mais avant l'heure, avant ce jour, c'est Satan qui gouverne, c'est Satan qui dirige, c'est Satan qui, n'est-ce pas, manipule. Et derrière le luxe se cache Satan. Derrière les belles choses se cache Satan. La Bible dit que l'homme regarde à l'apparence. Voilà la faiblesse de l'homme. L'homme aime regarder des choses attirantes. L'homme aime la beauté. L'homme aime des choses qui brillent. Voilà pourquoi derrière le luxe se cache Satan. Et l'un des outils du diable, parce qu'il y en a tellement, n'est-ce pas, l'un des outils du diable, c'est d'utiliser le luxe pour tout simplement amener les gens à sortir du plan de Dieu. Il n'y a pas que le luxe, il y a l'argent, il y a le sexe, il y a les femmes. Il y a autant de choses que le diable utilise pour te faire sortir de la voie de Dieu, pour t'empêcher d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, d'écouter les conseils de Dieu. Il y a autant de choses. Mais je voudrais simplement dire ce matin à la jeunesse, voilà une jeune fille qui certainement avait des projets et donc qui a perdu sa vie. Dans quoi? Dans le luxe. Est-ce que vous croyez que les parents de cette jeune fille se sont sacrifiés pour que cette jeune fille en arrive là? Je ne pense pas. Nos parents se sacrifient pour nous. Beaucoup de nos parents ont sacrifié leur projet, leur ambition, autant de choses pour que tu puisses devenir quelque chose. Alors, bien que tu sois jeune, tu dois prendre conscience que la vie ne se limite pas simplement à la richesse. Tu veux être riche? Travaille dur. Tu veux réussir? Travaille avec tes propres mains. Tu as un homme, ton copain, qui prend soin de toi? N'est-ce pas? Tu dois savoir d'où il tire son argent. La source ou la provenance de la richesse de ton copain. C'est important. Voilà, elle est décédée. Et non seulement elle est décédée, on retire ses yeux. On retire ses parties génitales, on retire ses seins. Pourquoi faire? Pourquoi faire, les amis? Vous avez déjà la solution. Nous sommes dans un monde où les gens sont prêts à tout. Prêts à sacrifier quelqu'un, prêts à massacrer quelqu'un, prêts à tuer quelqu'un pour de l'argent. Pour de l'argent. Est-ce que cela, n'est-ce pas, en vaut la peine? Alors, jeunesse, écoute Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Dieu te connaissait depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Et tu dois écouter Dieu. Tu dois entendre Dieu. Parce que dès lors que tu ne vas pas entendre Dieu, voilà les pièges, n'est-ce pas, que fabrique l'ennemi, qu'utilise, n'est-ce pas, Satan pour réussir à te sortir du plan de Dieu. Voilà une jeune fille qui a été attirée par le luxe et qui vient de perdre sa vie. C'est tragique, tragédique. C'est difficile. Alors j'aimerais ce matin dire à la jeunesse, n'est-ce pas, que la cupidité, n'est-ce pas, ne te dicte pas tes actions. Ne laisse pas la cupidité dicter tes actions. Cherche Dieu. C'est le moment de chercher Dieu. C'est merveilleux, les amis. C'est merveilleux. Rien n'est plus merveilleux que d'avoir une relation avec son Créateur. Parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé comme tu es. Il n'est pas là pour te juger. Il est là justement pour
t'apporter une meilleure version de toi. Il est là pour te permettre de pouvoir accomplir la mission pour laquelle tu es né, pour laquelle tu es arrivé dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas ignorer les conseils de Dieu, qu'il ne faut pas ignorer les avertissements de Dieu. Tu dois ce matin entendre Dieu. C'est important. Je voudrais partager une deuxième verset avec vous dans Proverbe. Proverbe chapitre 14, et nous sommes dans le verset 27. La Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ça, c'est la version du second. Je vais lire la version Martin. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour se détourner des filets de la mort. Tu dois comprendre que craindre Dieu, lorsque tu vas craindre Dieu, n'est-ce pas, Dieu t'aidera justement à ne pas tomber dans ces pièges de l'ennemi. En craignant Dieu, n'est-ce pas, Dieu te donnera le discernement dont tu as besoin pour discerner les gens qui viennent dans ta vie en ayant de mauvaises intentions. Dieu t'aidera à discerner les situations, n'est-ce pas, qui pourraient être des situations dangereuses dans ta vie. Et donc, c'est important de craindre Dieu. C'est important d'entendre Dieu. C'est important d'écouter Dieu. Tu dois écouter Dieu. Ton Créateur, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. Alors, ce matin, écoute Dieu. Ce matin, n'endurcis pas ton cœur. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Tu veux vivre? Cherche la crainte de Dieu. Tu veux, n'est-ce pas, réussir proprement? N'est-ce pas? Cherche la crainte de Dieu. Parce que justement, en cherchant la crainte de Dieu, tu pourras vivre. Et Dieu va t'éviter justement les pièges de l'ennemi. Alors jeunesse, cherche Dieu. Jeunesse, prends ta vie au sérieux. Jeunesse, n'abandonne pas Dieu. Que, n'est-ce pas, l'histoire de cette jeune fille t'enseigne que tu ne penses pas que ces choses-là n'arrivent qu'aux autres. Parce que, en pensant que, n'est-ce pas, cela qu'arrive qu'aux autres, tu vas pas éviter les pièges que l'ennemi te tend. N'est-ce pas? Tu n'éviteras pas les pièges que l'ennemi cherche à vouloir te faire tomber. Alors que ce matin, tu puisses prendre ces paroles et que tu puisses méditer là-dessus. Et donc, je suis arrivé à la fin. J'aurais beaucoup de choses à dire. Mais voilà, je vais transmettre un message bref. Et donc, partagez. N'hésitez pas à partager. Hein. Je compte sur vous pour partager. Et si vous aimez ce type de format, je ne manquerai pas de temps en temps de vous proposer ce type de format. Soyez bénis. Que Dieu bénisse. Et à très bientôt. Shalom au revoir.